Bonjour, aujourd'hui une vidéo de présentation pour des porte-clés Lego de Star Wars, une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude, mais bon, on va faire ça. J'ai ramené tout ça du Legoland de Tokyo, donc je vais vous présenter ça. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec Watu, voilà, ici, le personnage, donc c'est le propriétaire d'Anakin Skywalker quand il est petit sur Tatooine. Voilà. On a Shakti ici, voilà, qui est une Jedi qui appartient à la même espèce que Ahsoka Tano. Tano, pardon, Ahsoka Tano. Voilà. Ensuite, on a Anakin Skywalker, jeune, avec son casque et ses lunettes de pilote de pod. Alors, on a Jar Jar Binks dans l'épisode de Fantôme Menace. Donc, espèce de race qui vit sous l'eau, amphibienne. Voilà. Ensuite, on a Bosque. Si je me souviens bien, c'est un des chasseurs de primes qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Voilà. Alors, on a qui de... Alors ça c'est Kit Fisto. J'avoue franchement je vois pas trop qui c'est. C'est peut-être un maître Jedi aussi. Voilà. Ensuite on a Ayla Secura. Donc ça c'est une maître Jedi également. Voilà. Après, on a Cad Bane. Alors lui, c'est un chasseur de primes qu'on voit dans la série Rebelle, la série animée de Star Wars. J'aime beaucoup. C'est un vrai méchant, on va dire. J'aime bien son style, j'aime bien son look aussi, très cow-boy. Ensuite, on a la princesse Leia. Donc ça c'est comme on la voit dans Un Nouvel Espoir, avec ses cheveux reconnaissables, sa tenue blanche, en tenue de sénatrice. Voilà. Ensuite on a encore la princesse Léa, mais en tenue dans l'Empire contre-attaque, quand ils sont sur la planète gelée, planète Hoth. Voilà. Et j'ai trouvé pour la première fois les Lego vaisseaux en porte-clés. Donc on a le Land Speeder ici de Luke Skywalker qu'on voit dans Un Nouvel Espoir. Voilà. Qui est vraiment sympa. Et on a le Star Destroyer qu'on voit dans plusieurs épisodes. Voilà. Voilà. Donc tout ça vient du Tokyo Legoland, du Discovery Center, donc voilà, de Tokyo. Le sachet, le joli sachet qu'on vous donne quand vous allez chez eux. Voilà, Legoland et le Discovery Center en JP. Voilà. Écoutez, si vous avez des commentaires, des questions, surtout n'hésitez pas. Merci, au revoir.